L'organisation tissulaire chez les végétaux, c'est-à-dire les différents tissus qu'on trouve chez les plantes. La définition d'un tissu, qu'est-ce que c'est qu'un tissu? Un tissu, c'est un ensemble de cellules qui sont bien différenciées et qui assurent la même fonction et ils ont la même organisation. Donc, un tissu, c'est un ensemble de cellules qui sont bien différenciées, donc des cellules qui sont adultes et qui assurent la même fonction. Les tissus végétaux. Les tissus qu'on trouve chez les plantes, il y a les tissus primaires qu'on trouve quand la plante est jeune. Et après ces tissus primaires, il y a installation des tissus secondaires, donc quand la plante, elle devient plus âgée. Les tissus primaires sont installés chez la plante jeune, donc ce sont des tissus qui assurent la croissance en longueur. Et les tissus secondaires, ce sont des tissus qui assurent la croissance en épaisseur chez la plante. Tout d'abord, les tissus végétaux primaires. Il y a les méristèmes, les tissus protecteurs, les tissus de soutien, les tissus conducteurs, les parenchymes et enfin les tissus sécrétaires. Donc ces tissus, ils se forment à partir de méristèmes, massifs organisés de jeunes cellules indifférenciées, donc de jeunes cellules à l'état embryonnaire, qui sont le siège de divisions orientées actives, donc qui sont le siège de plusieurs divisions. Ces méristèmes peuvent être fonctionnels peu de temps, et on les trouve chez les plantes annuelles, ou pendant plusieurs années, et on les trouve chez les plantes pluriannuelles ou vivaces. Chez les méristèmes, on distingue les méristèmes primaires, donc qui sont d'origine embryonnaire, situés à l'apex de la tige, c'est-à-dire à l'extrémité de la tige, ce qu'on appelle le méristème collinaire, et à l'apex de racine, ce qu'on appelle les méristèmes racinaires. Et on les trouve également à la base des feuilles, ce qu'on appelle les bourgeons axillaires. Ils forment les tissus primaires qui sont à l'origine de la structure primaire chez la plante. Alors que le méristème secondaire, il y a la phellogène et le cambium, qui apparaissent après les méristèmes primaires et qui assurent la croissance en épaisseur de la plante, donc une croissance latérale, ils sont à l'origine de la structure secondaire chez la plante. Les méristèmes primaires sont à l'origine de la formation des tissus primaires. Selon la fonction du tissu, on distingue les tissus protecteurs ou de revêtement. C'est l'épiderme, comme l'épiderme chez la tige, la feuille et le fruit. Donc l'épiderme, c'est un tissu protecteur des organes aériens. Et le rhizoderme, un tissu protecteur des parties souterraines, notamment la racine. Les tissus de soutien, ce sont les tissus qui donnent le maintien et la rigidité à la plante quand elle est jeune. Et c'est le colenchyme et le sclérenchyme. Les tissus conducteurs, le xylème, un tissu conducteur de la sève brute, donc un tissu conducteur de l'eau et des sels minéraux qui sont pompés par la racine au niveau du sol, qui sont acheminés par la tige vers les feuilles, donc une sève qui est ascendante est ce qu'on appelle la sève brute. Et le tissu conducteur, c'est le xylème. Alors qu'après photosynthèse, il y a formation de composés organiques et de l'oxygène qui seront réacheminés, donc cette sève elle serait riche en matière glucidique, c'est ce qu'on appelle la sève élaborée, et qui sera distribuée par un tissu conducteur qu'on appelle le phloème sur les autres organes, et le reste, il va être réacheminé vers la racine et donc vers le sol pour enrichir le sol. Les parenchymes fondamentaux. On a le parenchyme chlorophyllien assimilateur, ce qu'on appelle également parenchyme foliaire ou mésophile. Il y a le parenchyme de réserve qu'on trouve généralement dans les parties souterraines de la plante, notamment les bulbes, les tubercules, les rhizomes. Et le parenchyme de remplissage. Ce parenchyme, il remplit tous les vides qui ne sont pas occupés par les autres tissus, comme le parenchyme médullaire au niveau de la moelle, comme le parenchyme cortical au niveau de l'écorce. Et enfin, les tissus sécréteurs. Les tissus sécréteurs, ce sont des tissus qui sécrètent donc des substances comme le latex,
des essences volatiles, de la résine, et ainsi de suite. Les tissus protecteurs ou tissus de revêtement. Tout d'abord, l'épiderme. L'épiderme, c'est un tissu qui est formé par une seule assise de cellules vivantes aplaties sans chloroplaste, donc sans chlorophylle. Les parois internes et latérales sont minces et cellulosiques, alors que les parois externes sont épaisses par imprégnation de cutine. La cutine, qu'on a dit, c'est une substance qui rend les parois imperméables, formant ainsi ce qu'on appelle une cuticule. Cette cuticule est interrompue par endroits par le stomate. Donc, quel est le rôle de stomate? C'est, puisque la couche cuticule est imperméable, donc il n'y a plus, possibilité d'échange entre la plante et le milieu extérieur. Mais l'échange, il peut se faire au niveau des stomates. Ces stomates, ce sont deux cellules stomatiques qui ont la forme du rein, qui s'ouvrent et se ferment pour assurer un équilibre entre le milieu extérieur et la plante. Donc quand il fait très chaud et quand par exemple le vent sec il souffle, donc le shelky, donc les stomates elles se ferment pour que l'eau ne transpire pas, pour qu'il n'y ait pas une perte d'eau. Donc c'est une sorte de stratégie d'économie d'eau. Et quand les conditions sont favorables, il fait frais, il y a la rosée, donc les stomates elles s'ouvrent. Donc elles s'ouvrent généralement en début de matinée, très tôt en début de matinée et en fin de soirée. Alors que quand il fait chaud, donc pendant la journée, elles peuvent se fermer. L'épiderme. L'épiderme, c'est le tissu le plus externe chez la plante, donc il est le plus soumis aux traumatismes, aux accidents que peuvent survenir ou que peuvent subir la plante. Et donc, il protège la plante également contre la dessiccation. Il se trouve sur les organes aériens comme la tige, la feuille et le fruit, mais jamais chez la racine. L'alternative de l'épiderme chez la racine, c'est ce qu'on appelle le rhizoderme. Donc là, nous avons des photos de coupe. Nous avons l'épiderme avec une cuticule externe, l'estomate. Donc, il s'ouvre et se ferme par un phénomène de turgescence et de plasmolyse. Et en dessous, là, c'est un schéma également qui montre qu'en dessous des stomates, on trouve des chambres sous-stomatiques qui sont sous forme de lacunes, donc qui permettent de faire circuler l'eau et les gaz. Le rhizoderme. Le rhizoderme, c'est l'alternative de l'épiderme chez la tige, la feuille et le fruit, ou la fleur, chez la racine. Il se trouve dans les parties souterraines de la plante, la racine. Il est composé par une assise pilifère qui comporte les poils absorbants, donc qui absorbe l'eau et les sels minéraux, et par une assise subéreuse, l'assise subéreuse qui a des parois qui sont subarifiées. Les tissus de soutien. Ces tissus réalisent une armature interne pour le végétal. Ce sont eux qui constituent le squelette pour la plante. Ils ont pour rôle de contribuer à la rigidité et à la solidité de la plante. Leurs propriétés proviennent d'un épaississement de la membrane cellulaire et suivant la nature de cette membrane, on distingue le colonchyme. Le colonchyme qui présente des cellules vivantes à parois épaisses et pectocellulosiques, sans parois secondaires. Alors que le sclérenchyme, il est composé de cellules mortes à parois épaisses lignifiées pourvues d'une paroi secondaire. C'est un tissu très rigide et indéformable qui se développe dans les organes dont l'allongement est achevé ou terminé. Donc le colonchyme, on le trouve chez les jeunes organes, alors que le sclérenchyme, on le trouve chez les organes dont l'allongement, dont la croissance aux longueurs est terminée, et on le trouve généralement dans les parties ou bien chez les plantes qui ne passent jamais aux structures secondaires. Donc on trouve que les monocotylédones sont plus riches en sclérenchyme que les dicotylédones. Et on trouve que les parties souterraines présentent plus de sclérenchyme que les parties aériennes.
Le sclérenchyme est surtout observé dans les organes aériens, tiges ou feuilles, où ils sont généralement situés dans la profondeur. C'est-à-dire, le sclérenchyme, il est situé en profondeur de la tige et feuille. Selon la forme des éléments constitutifs du sclérenchyme, on distingue des fibres sclérifiées, qui sont des cellules très allongées, à parois généralement lignifiées, que l'on trouve en grande quantité dans les tiges du lin, mais aussi dans les autres tiges. Les tiges du lin, donc on a comme exemple le tissu du lin, il est formé par des fibres sclérifiées des tiges du lin d'une plante qu'on appelle Linum usitatissimum. Et ces fibres sclérifiées présentent une paroi qui est épaisse et une lumière centrale qu'on appelle lumen. Un autre type de composant de sclérenchyme, les cellules scléreuses, qui sont beaucoup moins allongées que les fibres, leurs parois lignifiées sont très épaisses. Et enfin, on a les sclérites, qui sont des cellules scléreuses ramifiées, généralement de grande taille. Les tissus conducteurs, ce sont les tissus spécialisés dans la circulation des liquides ou des sèves. On en distingue deux sortes, le xylème, qui assure la circulation de la sève brute, donc la sève montante ou ascendante, donc l'eau plus les sels minéraux, ce qu'on appelle la sève brute, depuis la racine qui monte depuis la racine jusqu'aux feuilles. Le xylème est composé par des trachéides, qui sont des cellules mortes en fin de différenciation. Chaque trachéide est formé de cellules allongées et parallèles. Les extrémités sont en biseau. La paroi est rigide, peu épaisse. Paroi secondaire constituée d'anneaux et de spires et ponctuation de lignine. Donc la paroi secondaire comporte de la lignine, donc elle est imprégnée de la lignine qui forme des motifs en forme d'anneaux et de spires. Un autre élément composant le xylème, ce sont des trachées ou des vaisseaux. Les trachées ou un vaisseau est constitué de cellules mortes, assez courtes, contrairement aux trachéides qui sont formées par des cellules allongées, disposées bout à bout et parallèles entre elles, c'est-à-dire les cellules sont emboîtées l'une dans l'autre formant un long tube. La paroi primaire rigide, la secondaire est constituée d'anneaux spiralés, perforations sur les côtés, donc qui permettent la circulation de la sève brute. Donc le xylème est formé par des trachéides, qui est le premier xylème apparu, ce qu'on appelle également le protoxylème, et formé par des trachées ou des vaisseaux de grand diamètre et qui sont emboîtés l'une dans l'autre. Ce sont des cellules courtes et c'est ce qu'on appelle des vaisseaux. Les trachéides, on les appelle également des vaisseaux imparfaits. Les trachées, on les appelle des vaisseaux ou des vaisseaux parfaits. Là, nous avons en photo une trachéide spiralée, donc qui présente des spirales qui sont représentées par la lignine, une trachéide annelée, donc les anneaux sont des anneaux de lignine. Et la sève, elle circule entre les anneaux puisque la lignine rend les parois imperméables. Donc là, nous avons un schéma qui montre le cheminement des deux sèves. La sève élaborée et la sève brute, donc en bleu, on a des vaisseaux du xylème qui font acheminer vers le haut, vers les feuilles, la sève brute. Et le chemin de retour, il est représenté en rouge par ce qu'on appelle le phloème. Le phloème, c'est le tissu qui assure la circulation de haut en bas. Donc, un chemin descendant de la sève élaborée, laquelle s'est formée à partir de la sève brute dans les organes chlorophylliens, en particulier les feuilles. Donc, une fois arrivée au niveau des feuilles, sous l'action de la lumière, que ce soit une lumière naturelle ou artificielle, il y a la photosynthèse. Donc, la photosynthèse, donc, qui permet la fixation du CO2, la libération de l'oxygène et des matières glucidiques, elle forme ce qu'on appelle la sève élaborée. Cette sève élaborée, riche en matière organique, va être réacheminée, donc après distribution des éléments glucidiques sur les différents organiques, elle va être réacheminée vers le sol par la tige et arrivant enfin au niveau des racines qui va la libérer dans le sol. Le phloème,
Il est composé par des tubes criblés qui sont des cellules vivantes. Ce sont des cellules criblées, c'est un ensemble de cellules criblées qui sont emboîtées l'une dans l'autre, formant des tubes criblés sans noyau qui sont allongés dans le sens longitudinal, donc placés bout à bout, formant des tubes par paroi oblique transversale criblée de pores. Criblée de pores, comme c'est un crible, donc un crible, c'est un ensemble de pores, donc c'est comme une sorte de passoire qui permet le passage de la sève élaborée. Et ces éléments sont toujours accompagnés d'une cellule compagne. Quel est le rôle de cette cellule compagne? C'est une cellule vivante qui possède un noyau et qui longe le tube criblé et qui est à paroi cellulosique non criblée. Le rôle de cette cellule compagne, c'est le remplacement. Tout d'abord, il y a une communication par plasmodesme, donc une continuité cytoplasmique entre la cellule compagne et la cellule criblée. La cellule compagne, c'est elle qui assure toutes les fonctions à la place de la cellule criblée. Et lorsque la cellule criblée meurt, la cellule compagne, elle a pour rôle de remplacer la cellule criblée. Donc, elle va se diviser dans le sens longitudinal. Cette partie va former une nouvelle cellule criblée et l'autre partie va jouer le rôle de la cellule compagne. Donc, la cellule compagne, elle a double rôle. Tout d'abord, c'est assurer toutes les fonctions pour la cellule criblée, d'où la présence de plasmodesme qui assure une continuité cytoplasmique. Et deuxièmement, remplacer la cellule criblée quand cette cellule criblée meurt. Là, nous avons un tube criblé du phloème, donc qui permet le passage de la sève élaborée. Là, nous avons un crible qui est un ensemble de pores. Là, nous avons le tube criblé et accompagné de la cellule compagne. Les vaisseaux conducteurs et les tubes criblés. On les trouve donc, on ne trouve pas un seul tube ou bien un seul vaisseau, mais on en trouve par quantité plusieurs et qui sont accolés les uns aux autres. Là, nous avons les vaisseaux de Xylène et les tubes criblés du phloème. Les parenchymes fondamentaux, ils sont composés par des cellules vivantes à parois minces et cellulosiques. La forme des cellules est soit polyédrique, soit arrondie, car elles laissent entre elles des méas. Lorsque les méas sont bordés par 4 à 5 cellules, on leur donne le nom de lacune. Qu'est-ce que c'est qu'un méa et qu'est-ce que c'est que les lacunes? Un méa, c'est l'espace intercellulaire. Nous savons que les cellules, elles peuvent croître en longueur, donc elles peuvent s'étirer, elles peuvent se rétrécir. Donc lorsqu'elles s'étirent, donc elles laissent un passage ou un espace entre les différentes cellules voisines. Et c'est ce qu'on appelle un méa. Ce méa permet la circulation des gaz et de l'eau. Et s'il arrive que certaines cellules, elles sont résorbées, elles meurent, donc il y a un grand espace, plus grand que les méas, c'est ce qu'on appelle les lacunes. Et ces lacunes également, elles permettent la circulation de l'eau et des gaz. Selon leur fonction, les parenchymes, on les classe en parenchyme chlorophyllien ou assimilateur, c'est le parenchyme foliaire ou mésophile, le parenchyme de réserve, ce qu'on appelle également parenchyme amylifère, et le parenchyme également, enfin le parenchyme de remplissage. Le parenchyme chlorophyllien, ils sont abondants dans les organes aériens, feuilles, jeunes tiges, herbacées. Nous savons que le parenchyme chlorophyllien, c'est le lieu de la photosynthèse. Ils ont des cellules riches en chloroplastes qui permettent de faire la photosynthèse. Donc, on peut distinguer parmi le parenchyme chlorophyllien, le parenchyme palissadique et le parenchyme lacuneux. Le parenchyme palissadique, il est formé par des cellules très allongées, de grande taille et qui sont accolées les unes aux autres qu'on trouve juste en dessous de l'épiderme foliaire.
Ces cellules sont très riches en chloroplastes et c'est là qu'il y a le maximum de photosynthèse. C'est là qu'il y a l'assimilation foliaire, d'accord? Donc l'assimilation foliaire, c'est là qu'il y a lieu la photosynthèse. Donc ces cellules, donc elles forment une sorte de palissade, une sorte de barrière pour capter le maximum de lumière. Et le parenchyme lacunaire, on le trouve généralement en dessous de parenchyme palissadique qui est formé par des cellules et bien sûr des lacunes qui permettent la circulation de l'eau et des gaz, de l'eau qui est transportée ou via l'estomac. Le parenchyme de réserve. Les parenchymes de réserve, ils se rencontrent dans les organes souterrains, généralement dans les organes souterrains. On les trouve dans les racines, les bulbes, les tubercules, les rhizomes et les graines. Ces parenchymes sont dépourvus de chlorophylle, mais leurs cellules contiennent d'abondantes réserves comme l'amidon, des glucides, des protéines et des lipides. Les tissus sécrétaires. Qu'est-ce que c'est que les tissus sécrétaires? Les tissus sécrétaires, ce sont des tissus qui sécrètent donc des métabolites secondaires comme le latex, un liquide visqueux qui a l'aspect du lait mais de consistance plus solide. Il y a également les poils tecteurs, des poils tecteurs comme les poils de l'urticaire, c'est-à-dire de l'urtica dioïca. Les tissus sécrétaires, donc, ce sont des tissus vivants qui élaborent et excrètent certaines substances, des substances variées comme les essences, les résines, les tanins, le latex. Les unes ne quittant pas les cellules qui les ont synthétisées, les autres étant rejetées dans des poches comme les poches à résine ou poches à essence ou des canaux de résine ou même à l'extérieur des cellules et de poils épidermiques. Parmi les éléments composant les tissus sécréteurs, on trouve les cellules épidermiques. Ce sont des cellules d'épiderme qui sont productrices d'essence ou de résine. De résine, par exemple les pétales de rose, de jasmin, tiges et feuilles de lavande, ces cellules sont bien sûr différentes des autres cellules épidermiques. Elles ont une petite taille, leur paroi externe peut être dépourvue de cutine ou bien elles font saillie en forme de papille. Les poils sécréteurs sont comme les poils tecteurs des expansions de l'épiderme, dont les cellules terminales sécrètent essence ou résine. Les poches sécrétrices et les canaux sécréteurs. Les poches sécrétrices, selon leur mode de formation, distinguent deux types. Premièrement, celles qui proviennent d'une cellule parenchymateuse et qui se divisent en quatre cellules par deux cloisements successifs perpendiculaires l'un à l'autre. Le meilleur central limité par ces cellules constituera la poche. Ce type de poche se rencontre chez les myrtacées, l'eucalyptus, le giroflier. Chez les feuilles de quelques conifères. Le deuxième type, c'est celle dont le début de leur formation est identique au mode de la formation de la première, mais dans ce cas, les cellules de bordure se divisent par des cloisons tangentielles, c'est-à-dire en plus des cloisonnements perpendiculaires, il y aurait des cloisons tangentielles et le meilleur collecteur est alors bordé par plusieurs assises de cellules superposées. Les plus internes de ces cellules vont se dégrader. Ces poches sont particulières aux rutacées, comme le zeste d'orange ou de citron. Les poches à essence qu'on trouve sur la croûte de l'orange, sur le zeste d'orange ou de citron. Les canaux sécréteurs sont des poches sécrétrices très allongées. Le processus de formation intéresse alors une file de cellules superposées. Il y a les laticifères. Ces laticifères sont comparables aux cellules sécrétrices typiques. Car le produit de ces sécrétions, le latex, reste localisé dans les éléments même qui l'ont élaboré. Elles sont formées d'un seul article indéfiniment allongé, ramifié, dépourvu de toute cloison transversale renfermant plusieurs noyaux. Exemple, les laticifères à caoutchouc. Les laticifères à caoutchouc de Aevia,
Il y a également des ficus, un grand nombre d'euphorbiaceae, les apocynacées comme le nérium, nérium oléandère. On peut trouver également des laticifères articulés, celles en réseau, ou bien des laticifères anastomosés, donc très ramifiés, comme l'exemple de l'opium, papaver, somniferum, ou ce qu'on appelle effiun en arabe. Les tanifères. Les tanins sont des composés aromatiques très répandus dans le monde végétal et la plupart des espèces en fabriquent même si en de petites quantités. Ils sont souvent associés à des hétérosides ou alcaloïdes. On peut les mettre en évidence par différents réactifs chlorure ferrique, acétate de cuivre, bichromate de potassium. Donc en conclusion, il est important du point de vue pratique de connaître la nature et la localisation des éléments producteurs d'essence, de résine ou de latex, car elles déterminent les conditions d'extraction de ces produits. Ainsi, les méthodes d'extraction des essences varient suivant la localisation des cellules ou des poches qui les renferment. Si elles sont par exemple localisées dans des éléments superficiels facilement accessibles, elles peuvent être extraites par distillation avec la vapeur d'eau ou par enflorage. Si elles sont localisées dans des tissus profonds, comme les essences de cannelle, on devra recourir à la distillation avec l'eau. Ou bien, si elles sont localisées dans des poches sécrétrices superficielles, comme les essences de fruits de citrus, orange, citron, elles peuvent être extraites mécaniquement par déchirement des tissus, donc, ou bien, par, comme le latex, par incision. Donc, même chose pour l'extraction de latex, ceci s'écoule facilement à la suite d'incision.